Lara, je suis content de te revoir. Moi aussi, Ushu. Comment avancent les préparations pour le couronnement d'Edsley ? Mal, hélas. Après ton départ de Paititi, un groupe de chasseurs a ressorti le corps de Zan de la jungle. Zan, c'est le deuxième homme qui est parti ? Il cherchait l'arc du champion, oui. Lara, ça m'ennuie d'abuser, mais... Mais est-ce que je peux trouver l'arc du champion ? Je te demande beaucoup. C'est l'objet le plus difficile à récupérer. Zan était mon meilleur homme. Est-ce que tu peux me dire ce que cet arc a de spécial ? Les ancêtres d'Unuratu l'ont taillé dans le premier Seiba qui a poussé en pleine nature à l'extérieur de la ville. Il s'est transmis de génération en génération. Elle l'a donné à Sairi, le père d'Edsley, pour leur mariage. Il symbolise l'union des familles. Mais il a disparu depuis des années, volé par le Nawal. Le Nawal. Quelqu'un qui a le pouvoir de se transformer en animal, c'est bien ça ? Oui, celui-ci rôde dans la jungle, près de la ville. Par jalousie, il a poussé Sairi à lui donner l'arc. Edsley est l'héritier de l'arc du champion. Sans lui, il ne sera pas roi. Ok, compte sur moi. Merci. Tu trouveras l'entrée en face d'ici, un peu au-dessus de la rivière. D'accord, je ferai de mon mieux pour trouver l'arc. T'es pas qu'à ce moment avec tes trucs là. Oh vas-y, j'ai la flemme de lire. Ah, lire. De faire Lara lire, parce que vraiment je lis pas moi, mais bon. On va dire peut-être que j'arrive à sortir d'ici moi. Ça serait un bon début. Non mais sérieux? Elle est bien sortie. Elle est sortie. Ce qui est un peu casse-bonbon dans ce jeu, c'est que durant la moitié, voire les trois quarts du jeu, t'es dans Apatiti, et Apatiti, en fait, t'es obligé d'avoir une certaine tenue. Voilà, pour être assimilé aux habits locales. Du coup, tu peux pas avoir les tenues, les autres tenues, quoi. Enfin, porter d'autres tenues. Donc j'avoue, ça, c'est, je trouve que c'est un poil dommage, hein, en vrai. Donc ça sert à rien de nous donner un masque de tenues si on peut pas les prendre, en fait. Si on peut pas les mettre. Concrètement. Ah ouais. Je trouve ça con. Ça doit être l'entrée de la jungle. Pas très accueillante, mais j'imagine que c'est fait exprès. Toi d'abord. Moi ? Hors de question que j'aille là-dedans. T'as pas vu le type qu'ils en ont ressorti ? Ce qu'il en restait. Allez, jusqu'au sommet du chemin. Ouais, du coup, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Ah, t'es sérieux avec tes tombes facultatives, toi, putain? C'est trop calme. J'ai l'impression qu'on m'observe. Du coup, les tours facultatifs, je devrais voir, une grosse flemme. C'est bon. C'est. Il y a trop de trucs annexes, c'est trop chiant quoi.
On dirait un autel sacrificiel. L'arc du champion est forcément là-dedans. Ok. C'est évident. Oula. La bête du Gévaudan. Oups. Bon voilà. Bon, il est temps de rapporter l'arc à Ushu. Et comme la bête du Gévaudan, en fait, c'était juste un. Enfin, dans le film. Dent du Loup. C'était juste un gros chat. Avec une armure. Ouais non, il a une grosse flemme de faire les combos. Hein. Mince. Arrachez-vous là! Oh, c'est chiant ça! Tu veux quoi déjà? Regardez ce que j'ai.
J'ai toujours du temps pour les affaires. Super. J'ai rien, je peux rien prendre. Alors, chez vous. Allez, réveillez-vous. Ouais, ça me saoule là que c'est pas bien indiqué là, leur connerie là. Pierre, avec le réveillon de merde là. Pourquoi vous brillez vous là? Putain, le réveillon de merde quand même. Franchement, ça. C'est vraiment du la chier. Hein. Putain, mais c'est... Ça peut pas être bien indiqué leur connerie là, sérieux! Ah putain! Bon, c'est où là? C'est ça? Ah, ok. Putain, aussi, mais ça c'est aussi petit qu'une... bref, c'est... Non mais c'est trop dur à trouver dans leur trou là. Donc, qu'est-ce que je dis? Mais c'est chiant. L'arc du champion, la dernière pièce qui annoncera le futur de Paititi. Et le Nawal alors, tu l'as affronté? Oui, il est mort. Dis-moi, à quoi il ressemblait? C'était un jaguar. Ah, la plus puissante de ses formes. C'est qu'il t'a vu comme une ennemie redoutable. Ushu, ça fait combien de temps que ce Nawal est dans la jungle? Enfant, on nous racontait plein d'histoires pour nous décourager de sortir des limites de Paititi. Mais depuis qu'Amaru a pris le pouvoir, le Nawal est plus actif. Tu veux dire que le Nawal obéirait à Amaru? Oui, pour nous tenir par la terreur, mais c'est fini. Tu as fait énormément pour l'avenir de Paititi, Lara. Ce serait un honneur si tu assistais à la cérémonie des rois. L'honneur serait pour moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Ça vient de l'armure de Sairi, le père d'Etsli. C'est un symbole de ton courage. J'aimerais qu'il te revienne. Merci, Ushu. Le son de la corne du roi vous invite à venir assister à un nouveau commencement. Bienvenue à la cérémonie des rois. Etsli, fils d'Unuratu, fils de Sairi, avance-toi. L'amulette du Sauveur renferme toute la sagesse de tes ancêtres. Écoute-la bien, et tu feras preuve de droiture et de clémence dans tes jugements. L'arc du champion renferme la puissance de tes ancêtres. Respecte-le, et tu feras preuve de responsabilité et de justice en nous guidant. Et enfin, jeune Etsli, tu renfermes notre avenir. En tant que roi, fais preuve d'action. Crée l'espoir. Crée l'amour. N'attends pas sans rien faire que la grâce tombe d'elle-même du plus haut des cieux. Fais ce que tu peux pour provoquer cette grâce toi-même. Peuple de Paititi, c'est
c'est avec une grande fierté que je te présente Etzli, fils d'Unuratu, fils de Sairi, et ton roi. Cool. Cool, cool, cool. Bon, maintenant, tout ça que c'est fait, ben, goût pour finir le jeu. C'est incroyable comme Etzli a changé. Hein. C'est vrai qu'il y a vu que... Bon, on va finir le jeu comme ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est vrai. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, pas de choix. Hein. Malheureusement, pas de choix. Donc, voilà. J'aurais bien voulu finir le jeu avec la tenue de Lara Croft, là, mais bon. Allez, c'est parti, finir le jeu. Ça vient là que c'est la fin. Allez, go. Comment ça avance le plan, Etzli? On doit choisir. Ushu. L'armée de Kukulkan va suivre le sac B jusqu'au grand pont de pierre pour atteindre la pyramide. Si jamais on va au contact... On a toutes les chances de les intercepter, mais ils pourraient très bien nous déborder. Si on passe par là, ce sera moins dangereux. Mais le timing devra être parfait, ou ils nous échapperont. On peut faire les deux. Si on va au contact, je peux les contourner et puis jouer les snipers. Ils seraient piégés. Toute approche comporte des risques, mais... Je crois que c'est la meilleure option. Bien. Alors, à vos ordres. Allez, préparez-vous. On y va. C'est là qu'on se sépare. Ton chemin va par là. Lara, j'ai un porte-bonheur pour toi. Etzli, c'est trop. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasses l'ombre. Merci. Sois prudent, Jonah. Toi aussi, ma belle. C'est parti. Alors. Non, franchement, heureusement que Lara est fine. Hein. Parce que putain. C'est vachement stylé, mais c'est vachement flippant en vrai. Hein. C'est un peu tout l'univers de Lara en fait. Hein. C'est beau mais flippant.
Ah vache! C'est un enfer! C'est un véritable enfer! Par contre, là, c'est tellement un enfer que je vais trop où il faut aller, quoi! Oh là là! Oh là là! A dit que le feu cramoisi était sa destinée. Ok, essaie de faire vite. Commandant ici, Cardinal 2. Le pont a été détruit. Bien. À tous les chefs d'équipe, prenez contact avec les véhicules. Cardinal 2, il compte sur vous. Compris. Moi, j'espère que. Que Rook là, il va morfler, j'espère. La hitbox, merci hein. Merci le bug du hitbox, parce que là j'ai. Mon pilier il touche pas. Hein. Il touche pas la partie. La partie. Escaladable. Le feu cramoisi fume. Cherche ton miroir. C'était la destinée de Nouratou. Amidala. En vrai, elle est stylée en vrai. À part les dents, mais son âme de l'écouter dents là, il bouge là, elle est stylée. Hein. Le feu cramoisi, c'est toi. Je crois qu'on est censé travailler ensemble pour vaincre Kukulkan. Ça fait très monde des globes hein, dans Seigneur des Anneaux. Je sais pas si ça va marquer, mais quand on a mis le masque Lara, ses cheveux ont tout d'un coup été
avait disparu. Tu sais, toute sa frange avait disparu. Dès l'instant où elle a mis son... elle allait mettre le masque, sa frange avait disparu. C'est rigolo. C'est ce qu'on appelle la facilité du game designer. Jonah, j'ai des renforts. Les Yashil, ils sont avec moi. Toi, j'espère que tu sais ce que tu fais. Moi aussi. Ouais, moi aussi, mais... Commandant, on accroche en visuel. Elle est avec les Yashil. Hein? Vous laissez pas distraire. Abattez-la. C'est très stylé, hein. C'est vraiment très stylé. Ici l'équipe Zeta, Haut Conseil en position, périmètre tenu. Je répète, le Haut Conseil va bien. Ici le commandant. Le Haut Conseil est là pour assurer personnellement notre victoire. Nous tiendrons le périmètre coûte que coûte. N'empêche que les gens ont accepté d'aider Lara, alors qu'elle a quand même tué beaucoup d'entre eux. Hein. Allez. Allez, on y est presque. Allez. Ils t'obéissent? Moi seul pourrais compléter le rituel. Ils ont mal choisi. Tout est faux. Non. Elle est à eux depuis toujours. Donnez la boîte. Non. Non. Jamais. Je dois protéger Paititi. Nous créons tous notre destin. Pas que vous. Nous tous. Ensemble. Jusqu'au bout. Attaquez! Non! Ah, dommage! Ici,
seront récompensés. Là, chopez-la! Attends, mais du coup, faut aller où là? Faut aller là-bas? Bien sûr! Je sais plus. Ah si! Attends, et lui le... Ah! J'ai fait trop mon qui coule là, j'ai fait trop mon qui coule là. Tu peux rien contre nous, Croft. On est tous là. Domingas n'est plus là, mais il était bien trop sentimental. Les Trinitaires contrôlent tout. Oui, je peux pas passer. Ah, c'est le fameux Rook. C'est pas vrai. Ici Paladin 1, je suis encerclé. Ah non, c'est pas dans... Non. Ok. Merci les gars, continuez comme ça. Ah non! Jonah, Rourke est mort. Je vais retrouver Dominique pour empêcher le rituel. C'était bien Rourke! Aussi longtemps,
Est-ce que je mets mon mon événement classique? Les points de mal, ils mettent plus de temps à se repérer. Et l'autre, c'était quoi ce que j'aimais bien? Ouais, non, je vais rester comme ça. Rester comme ça. Pour bien finir le jeu. Comme il faut. Attends. Et je fais pas. C'est sûr que je veux pas. Ah si! J'avais pas vu! Du coup, je peux me remettre. Comme ça? Parfait! Du coup, le fameux paladin, c'était bien Rook, hein, j'avais bien raison. C'est dommage, j'ai bien voulu qu'il meure plus. Bah, à part moi quoi. Avec une cinématique et tout. Wow, la vision. J'ai bien géré pour une fois. Ah bah non, c'est le moment où je dis, j'ai bien géré pour une fois que je me fais, que je me prends un rocher dans la gueule. Il est tout fissuré le machin, il va se casser, voilà, tu vois. Sur un monde créé par nous. Le pouvoir de Kukulkan. Ok, j'ai dû faire ça en mode furtif.
gentils, ceux qui veulent détruire ton pouvoir et son étendue. Rien ne m'empêchera de recréer le monde. Aujourd'hui, nous prenons le contrôle de notre destin. Ah ouais. Ah, j'ai plus de... Hein, t'es que ça. T'es sérieux, j'avais plus comme soigner. Quelle arrogance. Toute ma vie. Tu ne peux rien contre un dieu. Je veux pas skipper. Je t'ai laissé vivre trop. C'est fini. Il est où le...
Oh, mais tu veux pas mourir là? C'est moi qui dois protéger Palkiti, pas toi! Allez, meurs là. Ah, quand même. Oh, tu peux attaquer, mais Kukulkan le rendra plus fort. Mais vous me faites chier, vous, là. Allez, meurs! Tu vas mourir là, cette putain là, sérieux? Mais. Allez, là, là. Ah, quand même. Je suis désolé. Pas moi. Je ne suis pas sûr que le roi soit d'accord. Mes amours, vous voulez bien arrêter de bouger une seconde? Oui, ma reine blanche. Hein? Est-ce que je peux voir? Bien sûr. C'est toi, là c'est moi, là c'est ton père. On est où? Hawaï. Avec cette clé et la boîte d'argent, nous pouvons refaire. Sans faiblesse, ni cruauté. Si tu avais ce pouvoir, tu ferais quoi? Ma courageuse fille, qui ne verra jamais venir, une attaque de jaguar! Où on pourrait aller ensuite pour notre grande aventure? Il paraît que l'Antarctique est magnifique à cette saison. Papa! Oh non? Alors, peut-être le désert de sel en Utah. Richard,
Je sais où on va aller. Ah oui ? Hawaï. Oh, oui, ça pourrait être pas mal. Eh bien, dans ce cas, enfin, maman. Je voudrais que tu m'aides un peu. En enfin, fait, papa. En recherche, en prévision du voyage, là. Non, c'est toi, mon assistant personnel. Mais oui, bien sûr. Je suis là. Je ne sais pas ce que tu veux. J'exige que tu m'emmènes au musée. Je crois qu'on peut s'arranger. Et je t'achèterai un nouveau carnet pour dessiner et prendre des notes. En cas de cataclysme, le dieu Kukulkan doit être sacrifié au nom du soleil. Sinon, le monde mourra. Sacrifier un dieu ? Le sacrifice est mon devoir. Mais si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. J'aime bien ce monde, c'est... Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Après tout ça, l'éclipse ne nous représentera plus. On garde le soleil, mais c'est toi qui chasses l'ombre. Protégez Paititi. Pitié. Pitié, Lara. Promis. Unuratu, ma mère, une guerrière, une rebelle, une reine. Les générations futures la vénéreront. Tu me manques. Et... son esprit nous guidera pour unifier Paititi. Merci. Je vais retourner à Kuwakiaku demain. Ah oui ? La jungle te manque ? Tu veux trouver ce fameux arbre à poisson ? Je vais passer quelques jours sur la côte avec Abby. Je suis contente. Et toi, alors ? Je crois que je vais rester ici encore un peu. Et restaurer d'autres artefacts. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais pas. Mais Edsley va m'aider à trouver. Il me dira ce que Paititi voudrait reconstruire. Waouh. J'en ai marre de chercher. J'ai envie de profiter des vivants. Ok. T'as pas des bagages à faire, toi ? Non, t'es coincé avec moi jusqu'à demain. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Lara.
Bon voyage, Jonah. Quand Paititi sera rétabli, je te rejoindrai peut-être pour en apprendre plus sur le monde extérieur. Quand tu veux. Suffit de me prévenir. Toi aussi, Ushu. S'il en a envie. Alors, Jonah, Lara me dit que tu as une amie. Nous viendrons à ton mariage. Wow. Etsli, et si tu me montrais les plans du nouveau temple? Oui, ce sera magnifique. Bon voilà. Pour notre ami et collègue Alexandre Como Vermersch. Bah il était top ce jeu, ouais. Il était top hein. Court mais top. Franchement il était top, ouais. J'avoue j'ai bien aimé. J'avais tout faux. J'ai cru que pour prendre le contrôle de ma vie, je devais réaliser quelque chose d'extraordinaire. J'ai cru que je devais tout régler. Mais les mystères du monde doivent être appréciés plus que résolus. Et je ne suis que l'une de leurs protectrices. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, Jonah. Mais quelle que soit l'aventure qui m'attend, j'ai hâte de me mettre au travail. Je vais essayer de ne pas trop me prendre au sérieux. Du thé, Miss Croft? Volontiers. Pour l'instant, je suis contente d'être à la maison. On n'a même pas affronté un T-Rex. Pour vous, pour le coup, je suis un peu déçu pour ça. Et par contre... Ouais, même partie de plus, ok, continuez. Par contre, moi il y a un truc qui m'agace un petit peu, c'est que à la fin de Tomb Raider 2, enfin Rise of Tomb Raider, dans la cinématique, dans le post-crédit, il y a un mec, il y a un client qui abat Anne, juste après qu'elle a avoué avoir tué le père de Lara sous les ordres du Trinitaire. Et du coup, quelqu'un là-bas, et après il y a la personne qui est là-bas vous voulez que je tue Croft aussi? Et là, il y a une voix mystérieuse qu'on a reconnue que c'était la voix du père de Lara qui dit non, pas encore. Et sur ça, moi je pensais que du coup le père était encore en vie et là on n'a pas eu ce mystère. Après, je sais qu'il y a un quatrième opus qui est en développement. Peut-être qu'on en sera à ce moment-là, je ne sais pas. Mais j'avoue que la solution est toujours pas. Pour moi, il est toujours pas. Enfin, il est toujours en cours. Là, tout me fait porter à croire qu'il est mort, mais à la fin du durant la cinématique post-crédit du Rise of Tomb Raider, ça portait à croire qu'il était encore en vie, quoi. C'est la fameuse voix. Bref. Du coup, et puis à la fin de ce jeu là, de Shadow of Tomb Raider, Lara elle est sacrifiée. Enfin, tout portait à croire qu'elle a été sacrifiée pour sauver, pour restaurer le soleil, entre guillemets. Alors qu'il fallait juste attendre 6 minutes pour que l'éclipse passe. Hein, mais non, il faut restaurer le soleil. Bref. Moi ça me perturbe ce concept de rester au soleil, ça me perturbe. Alors qu'il fallait juste attendre 6 minutes pour que l'éclipse passe. Bref. Et du coup là elle est littéralement sacrifiée, enfin en tout cas je pensais que c'était le cas quoi. Et en fait Marie elle revient la semaine qu'après elle revient au camp comme si elle n'en était. Donc je sais pas. Peut-être que son pouvoir de la dague qui a été enlevé, j'en sais rien. Bon, voilà. Enfin bref, merci d'avoir regardé ce Let's Play. Let's Play qui n'est... dont le premier épisode n'est toujours pas sorti et ne sortira pas avant la fin de la semaine de la prochaine. Donc du coup, la semaine prochaine après que je tourne cette vidéo.
Donc, en gros, là, on est mercredi, on a un mercredi, et le premier épisode sort vendredi de la semaine d'après, je crois. Donc voilà, je crois, hein, je suis pas sûr en fait, j'en sais rien, je sais plus. Donc du coup, ouais, enfin c'est dans très longtemps qu'il sort le premier épisode. Donc ça, j'avoue que c'est la première fois que ça me fait le coup là, ça me fait ce coup. Enfin bref, du coup, bah, je vois si t'as regardé ce let's play. Et on se dit à la prochaine pour la, du coup, un tout nouveau let's play du coup. Peut-être, vu que ton réseau s'est terminé. On ne sait pas, on verra. Donc bah, allez, lui, à plus tout le monde et bye bye!